À une époque où le slogan sexiste « Les femmes ne savent pas conduire » était presque institutionnel, le capitaine Mbuanga Isato Cynthia Carrel, elle, est la première femme militaire à avoir montré au Gabon et au reste du monde qu'une femme pouvait piloter un avion aussi bien qu'un homme. J'ai vu des femmes qui pilotaient des avions et j'ai été éblouie. Et je me suis dit à ce moment, pourquoi pas moi? Et me voilà aujourd'hui, je suis pilote. C'est une fierté pour moi de servir notre pays, le Gabon, et d'être la première femme pilote. Et à l'heure du CTRI, je peux vous assurer que être pilote au Gabon, c'est un métier d'avenir. Cette femme a réussi à s'imposer dans un monde professionnel initialement masculin afin de prouver ses compétences. Mais il lui a fallu beaucoup de détermination et de patience. À l'époque, quand j'ai commencé à Spartan, Aeronautical, à Tulsa, en Oklahoma, aux États-Unis, j'étais la seule fille noire dans cette école de pilotage. C'était vraiment difficile de s'adapter. Mais l'insistance que j'avais, la détermination, j'ai pu m'adapter. J'avais beaucoup de pression quand j'étais en école de formation aux États-Unis. Et le fait d'avoir cette pression sur moi a eu beaucoup d'impact et la réussite était obligatoire et cela a pu se faire avec beaucoup d'acharnement, du travail, des nuits blanches. Et vraiment, je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que c'est pas très facile. Je suis mère au foyer, je suis en couple. Je peux vous assurer que quand je suis programmée de permanence, je suis déjà chef de service opération et transmission à la base aérienne 02 de Libreville. Je gère la programmation des équipages et être programmée, me programmer moi-même tout en sachant que j'ai un enfant à élever, un foyer à gérer, ce n'est mais vraiment pas facile. Des fois, je rentre très tard, il faut faire à manger, et pour les enfants, et pour monsieur. Et ensuite, se lever tôt pour avoir un vol pour un décollage à 7h du matin. Ce n'est vraiment pas facile, mais il faut avoir un entourage très compréhensif afin que vous puissiez vous épanouir dans le métier que vous pratiquez. Après le lancement officiel de la compagnie aérienne Fly Gabon le 28 août dernier, le capitaine Mbuanga Isato Cynthia Carrel encourage les jeunes compatriotes à embrasser cette carrière. Nous avons une nouvelle compagnie qui vient d'ouvrir les portes, Fly Gabon, qui offre des formations dans le domaine aéronautique. J'invite mes petits frères à venir massivement et à essayer tous les métiers de l'aéronautique. Le capitaine Mbuanga Isato Cynthia Carrel est bien plus qu'une experte aérienne. Elle est également une source d'inspiration et d'éducation pour les générations présentes et futures. En partageant cette expérience unique, elle ouvre des horizons nouveaux et suscite des vocations chez ceux qui l'entourent.